Allez, bonjour et à tous, c'est ThomasX9. Je vais faire une nouvelle vidéo sur du Pokémon Platine. On va commencer une nouvelle série sur Pokémon Platine. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Bon, du coup, on va commencer une nouvelle vidéo. Alors, les vidéos sur Pokémon Platine sera 3 fois par semaine, 3 vidéos par semaine. Du coup, 3 vidéos par semaine. C'est un bon équilibre. Oh, du coup, je pense j'ai un peu déjà mon équipe en tête. Mais je sais pas. Mais ça peut changer ou quoi que ce soit. Du coup, on va faire du Pokémon Platine. Et juste avant de vous dire, le Pokémon Platine sortira le lundi, le mercredi et le vendredi. Et après le week-end, le samedi, dimanche, il y aura du Monster. Voilà. Au moins, comme ça, c'est clair. On commence par une nouvelle aventure. C'est parti. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce c'est ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte de te donner. Ben non, j'ai déjà fait l'aventure, mais il y a des choses que je ne me rappelle plus, voilà. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer des liens très très forts avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Est-ce que tu es un garçon ou bien une fille? Oui, vous allez me dire, prends un garçon. Et non, j'en ai changé un peu. Prends une fille. Je sais, c'est pas mon style de prendre une fille. Je sais, c'est pas mon style, mais tu t'appelles Edith. Non. Je sais, je vais obtenir le nom. Hein. Non, c'est bon. Hein. On va s'appeler. On va pas s'appeler, mais comme dans le rôle de... Non, vous savez quoi? On va s'appeler Thomas et une fille. Voilà. Bon, du coup, voilà. On accepte. Et c'est parti. Tu t'appelles Thomas? Oui. Ok. Donc, tu t'appelles Thomas. Quel beau nom tu as. Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis? Quel est son nom? Il s'appelle... On va l'appeler comme dans les dessins animés. Je crois qu'il s'appelle Ronny. Bon, du coup, on va l'appeler Ronny. Ronny, c'est ainsi que ton nom, ton ami s'appelle. Oui.
Le moment est venu, Thomas. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de ta route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certaines des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Attendez, hein. Voilà. Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Survie, de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Et ouais. Kanto, professeur Chen, ça fait longtemps. Voilà qui conclut notre émission spéciale Questions au professeur Sorbier. Diffusée pour vous par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Et voilà, on est enfin dans le monde des Pokémon. Voilà, notre rival est là. On est tout voilà. Et Thomas, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Hé, hey, t'as un nouveau PC? J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok, si tu es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Mais dans tes rêves, hein. Alors déjà, le plus que ça c'est pénible. Non. Le plus que ça pénible. Vitesse 3, ça. Vitesse 3, c'est. Voilà. Et moi, et voilà. Thomas, Ronnie est déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Ah oui, Thomas, ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas alors. À bientôt mon chou. Oui, je suis une fille. Allez, je me mets dans la place d'une. Alors du coup, je pense que sa maison est ici, oui. Boum, boum. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Hé, hey, Thomas, je vais voir le professeur Sobier. Viens avec moi et que ça saute. Oh mince, j'ai oublié un truc. Ok, on rentre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, sa mère? Oh, bonjour Thomas. Qu'est-ce que tu cherches, René? Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne veut pas rester tranquille, celui-là. Je me demande de qui il tient. Je pense de son père. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Ok, salut Thomas. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 Pokédollars si tu es en retard. C'est ça, encore dans tes rêves. Bon. Au revoir, madame. Merci pour que vous m'avez invité. C'est là de repartir. Et on va voir notre rival, je pense, là haut. Oui, il est là. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi? Évitons les hautes herbes.
Pas de problème. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes. Il suffit de passer entre les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Nidorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. À vos marques. Halt! Ah. Vous ne sembliez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les autres herbes. Hey, Thomas, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbet, pas vrai? Que fait-il ici? Ils sont allés dans les autres herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changerait du tout au tout. S'ils croisent des Pokémon, c'est la meilleure chose à faire. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Ouais, leur point. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas bien attendu. Alors, je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon? Oui. Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Quoi, vous... Ah, ça me fait rire, ce passage, ça me fait toujours rire. Quoi? Vous pensez bien la poser 100 fois. La réponse ne changera jamais. On répondra toujours quand on aime les Pokémon. Pas vrai, Thomas? Mais on va lui dire non. Les plus courtes sont les meilleures. Quoi? Vous pouvez la poser 100? Bah oui. Oui. Deux petits sauts qui se promènent dans les hautes herbes alors. Qui n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'il y en avait. Alors tant pis pour moi. Mais donnez un Pokémon à mon alcoolite. Alcoolite. Alcool. Il y a le mot alcool. Vous savez, c'est moi qui a insisté pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors, c'est décidé. Je vais vous confier votre premier point. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous avez de me promettre que vous ne prenez plus de risques inutiles. Alors, voyons. Est-ce que ce que j'en ai fait? Professeur Sorbier, vous avez oublié votre mallette au lac. Il n'y a aucun problème. Ah, la voilà, bien joué, Lucas. Je m'apprête à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Quoi? Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous consistions avec les Pokémon. Nous, tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la manette et choisissez un Pokémon. Vraiment, professeur Sorbier, n'en crois pas à mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Et Thomas, choisis un premier. Tu comprends, je suis presque adulte. Alors je dois me montrer l'exemple. On va sauvegarder. Pourquoi? J'aime bien voir. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai déjà joué plusieurs fois. Bon, on y va. Alors, oh punaise, excusez-moi.
Voilà. Choisis maintenant quel Pokémon sort. On a Tortipus. Pokémon Mini Fight Tortipus. On a Pokémon Chimpanzé Wisticlam. Mais non! Mais non! On va revenir en arrière. Vous voulez pas prendre ce Pokémon là? Oui. Allez, vas-y, passe la semaine. Je suis vraiment désolé, les amis. Voilà. Pokémon Mini Feuille. Oui. Et après, il nous reste Pokémon Penguin Chipouf. Ça fait deux fois que je vais prendre. En fait, je me trompe. Mince. Je suis vraiment désolé que je vais faire quelque chose. Excusez-moi. Voilà. On a Tiplouf, Pingouin. Pingouin, Tiplouf. Alors du coup, excusez-moi pour cette interruption. Voilà. Alors, il y a Pokémon Mini Fight Tortipus, Pokémon Chimpanzé Wisticlam et Pokémon Penguin Tipouf. Or, j'avais déjà joué avec Wisticlam quand je jouais la toute première fois dans l'aventure que je connaissais pas le jeu. Après, j'avais pris Tipouf. Pokémon Penguin, j'ai déjà pris, j'ai déjà essayé, voilà. Et jamais pris Tortipus. Or du coup, on va prendre Tortipus, on y va. C'est toi que je choisis, je prends Wisticlam, ce Wisticlam. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que vous vous êtes confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, il vous ressemble beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Professeur, attendez-moi. Désolé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Hé, Thomas, maintenant on a chacun Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire, non? Tu te sens à la hauteur? Oui. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné. Thomas, je te défie en combat singulier. Ah, la musique, ça m'a manqué. Quand un combat est lancé par le dresseur au Néo. Non, moi, c'est comme... Ouais. On va directement faire un petit repli. Vous savez qu'il va faire... Parce que... En plus, c'est un mal. C'est parfait. Et du coup là on va attaquer. Il attaque, on attaque, on se défend, Bon, je crois que je fais un peu plus mal. On va attaquer, on va. On va faire quoi? Il cherche à écouter. Oh, sérieux, tu l'évites. Je n'abandonnerai pas. On a encore des ressources. Regarde. Voilà, on va faire charge. Ok. Allez, vas-y encore. Encore une fois et après il est KO. Allez. Voilà, c'est parfait. Puisqu'on est nuit.
remporte 69 points d'XP. Thomas, mon tortipousse monte au niveau 6. Vous avez battu au dresseur au nez. Qu'est-ce que ça? Ok. Waouh! Rentre à la maison. Ce beau combat m'a épuisé. Et mon Pokémon aussi a besoin de repos. A plus, Thomas! On va se quitter là. Ah bon. Il y a trop de dialogue. Là, ça va, c'est le début, il y a beaucoup de dialogues, mais après ça. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que qui se passe au fond? Vraiment, waouh! Toi, Ironie, avait de la chance d'être tombé sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Thomas, va voir au professeur Sorbier et remercie-le-moi comme il se doit. Son labo est à Victoria, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les autres armes ne sont plus une menace. Ok, je sais, Thomas, en fait ça. En soi, les chaussures de sport. Se rendre à Victoria est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite, ok? Je vais te lire le mode d'emploi. Oui. C'est comme. Bon, ça m'a l'air très bien. Bon. Pour la première épisode, c'est bien, très bien déroulé. Bon. On va se quitter là, les amis. Pour le premier épisode. Je sais, on n'a pas fait beaucoup de choses. On avait juste commencé, vous inquiétez pas, dans le prochain épisode. Dans quelques épisodes, il y aura de l'action, vous inquiétez pas. Bon, on va se quitter là. Alors, abonnez-vous sur ma chaîne si c'est pas fait comme d'habitude. Actionnez la petite cloche de notification. Mettez plein de pouces bleus et de commentaires. Et partagez. C'était Thomas X9. Bye tout le monde, les gens.